Bravo, 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 bravo. Veneluma, veneluma, venama. Mi rivera bama, vera bama, venama. Je vais vous parler en soussou. Soroti. Soroti. Sosui. Soroti. Comme on dit en pola, polo dimo. Minka du coup, soussou. Soroti. Soso et soroti. Soso et soroti. Nanam va fait wende. Parce que sur des actes comme ça, quand un autre vient parler, on va dire qu'il est contre les femmes soussou. Non, non, non. Soroti, fils soussou, maman soussou, papa soussou, ancêtre soussou, né à kilomètre zéro de Kassa Bouloubiné, là où la Guinée commence, là-bas. Je vous dis ce mot-là. Fin de l'ouma, fin de l'ouma, fenama. Mi rivera bama, vera bama, venama. Yo, nga e dunia. Tanyigi bara tege to konakiri. Tanyigi bara tege to suesuera. Tanyigi bara tege to suesuera. Wotan suesue. Nyigi bara tege to wura. Qui vous a dit, madame Kadia Toussila, en plus elle est Sila, cette dame-là, mais purée. Qui vous a dit qu'il a soulevé la guerre en Guinée? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit qu'il a soulevé, il veut la guerre en Guinée et que vous ayez le kilo de monter dans le minibus parce qu'on vous a donné des miettes de 500 000, 200 000, 300 000 pour aller dire que vous demandez à Selou que vous voulez la paix dans ce pays. Mais c'est une grosse foutaise ça. Ou Oumu Yagima. Parce que vous avez entendu que les femmes de la commune de Ratoma veulent manifester, doivent manifester pour réclamer les tueries des enfants de l'Axe. Est-ce que vous, vous êtes les mamans de la Guinée? Vous vous réclamez les femmes de la Guinée, les femmes des cinq communes de la Guinée. Où étiez-vous pendant qu'on tuait les enfants de l'Axe, qui sont des enfants guinéens? C'était des Ba, des Gallo, des Bari, des So, des Sila, des Kamara, des Kourouma. Tous les ethnies ont été tuées sur l'Axe. Où étiez-vous pour demander à l'État que vous voulez que ces tueries s'arrêtent? Où étiez-vous? Hein? Parce que ce n'est pas aujourd'hui que la crise post-électorale guinéenne a commencé. Et on vous pose la question pour vous demander que vous, est-ce que vous allez demander à votre leader de libérer les prisonniers politiques? Vous dites, répondez directement que ça, ce n'est pas de votre domaine. Purée, on vous pose la question, est-ce que vous allez demander à votre leader s'il va libérer les prisonniers politiques? Parce que vous voulez la paix. Qui a dit qu'il a soulevé la guerre? Si il a soulevé la guerre, aujourd'hui on n'en serait pas là. Parce que toute la Guinée et tout le monde entier en est conscient, clair et net, qui a réellement gagné. S'il ne voulait pas la paix, il n'allait pas rester comme ça. Mais de grâce, ne vous foutez pas de lui. Parce qu'il est calme, parce que c'est quelqu'un de compréhensif. De grâce, ne vous foutez pas de lui. On a fouté Mouma Luder Malabé. On a voté à main. Je vous dis ça. Ce soir, on a fait au bé. À Soroti. Mbembanam. Kassa Bolobide Masseguem. À Soroti. Nere Oreri. Et tout Belrato. Et ton Soroti. Et ton Tonyege. Parce que ta moussé sera barré. Et ton Tonyege. En moyen ma sou féra. En sou cadre ma berima. A fasali, non dinara. Moumiri kombi, moumiri ma beri. C'est dommage.
pour le pays. Où étiez-vous? Et il n'y a pas plus tard qu'il y a toujours là ce qui se passe à Wanindara. Ce qui se passe à Wanindara. Wanindara n'est pas de Conakry. Wanindara, c'est dans un autre pays. Wanindara, c'est dans un autre pays. Wanindara, c'est dans un autre pays. Regardez ma page. J'ai mis un statut hier. Parce que on a des gens partout. J'avais entendu des trucs de murmures comme ça là. Mais on ne peut pas imaginer que des gens qui se réclament de notre ethnie, digne ethnie, qui ont été les premiers, les leaders de ce pays, aujourd'hui qui sont les derniers. C'est dommage que tout le monde aujourd'hui qualifie de sous-sous que là où tu vas, c'est pour ton intérêt. Là où tu vas, c'est pour ton intérêt. C'est à cause des gens comme vous. Madame Kadhi est aussi là. Qui dit, on en a marre qu'il y ait des guerres dans notre pays. Vous avez vu quelle guerre en Guinée? Pendant que tout circule bien, pendant que tout se passe bien. Pendant que tout se passe bien. Quand même, Selou ne réclame que ce qui lui est de droit. Il ne réclame que ce qui lui est de droit. Il n'a pas une armée, il n'a pas de tanks, il n'a pas de lance-roquettes, il n'a pas tout un arsenal d'armes de guerre. Ce qu'il a, c'est de dire qu'il veut manifester pour montrer qu'il n'est pas content. C'est cela. Qui a dit que Selou ne veut pas la paix dans ce pays? Qui a dit que la communauté de Selou ne veut pas la paix dans votre pays? Hein? Qui vous a dit ça? Quand vous parlez sur des choses comme ça, il faut d'abord analyser, décortiquer 1 milliard de fois pour que seulement vous puissiez, avant de parler, vous comprenez. Ah, j'ai dit ça pour ça. Je dois dire ça pour ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui en Guinée, les plus riches, c'est cette communauté. Quand même, on est d'accord. Les plus riches, c'est cette communauté. Les plus riches, c'est eux qui envoient tout. Tout le commerce en Guinée, c'est dans leurs mains. On a compris le deal qui s'est passé pendant les élections. Parce que il y a certains Libanais qui ne veulent pas que le monopole en général soit avec cette communauté. Ça, on en viendra le jour J, Inch'Allah, quand ça va venir. Parce que chaque chose a son jour où on va le dire. Vous voyez? Maintenant, il est incompréhensible et bizarre d'y croire que cette communauté veut faire la guerre dans le pays, pendant que c'est eux qui seront les plus perdants. Partez à Madina, bas. Quand il y a quelque chose à Madina, des dégâts, astaghfirullah, cette fois. Quand il y a des dégâts, si des dégâts se produisent à Madina, qui seront les plus perdants? C'est cette communauté. Oui, ils ne veulent en aucun cas une guerre chez nous. Arrêtez vos hypocrisies. Dites la vérité à votre leader. Libérez les prisonniers politiques. Laissez les jeunes de l'Axe en paix. Réconcilions la Guinée, vivons dans la paix pour que la Guinée puisse préparer son lendemain. Parce qu'on est là, il ne s'agit pas de dilapider, c'est-à-dire de lapider notre parti. Le but, c'est ça. Moi, je suis militant de l'UFDG. Je milite pour l'UFDG. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Les élections, c'est terminé. C'est terminé. Les choses ont été transformées. Maintenant, on a dit, d'accord, ça va, c'est bon, on se calme, on se pose. Mais où est le problème? Le problème, il est où? Le problème, c'est que des gens cherchent à complètement couper la tête de l'UFDG, à complètement enterrer l'UFDG, que l'UFDG n'existe plus.
Maintenant, les élections ont été transformées. Bon, ça va, c'est bon. C'est close. Du coup, on est calme. Maintenant, les Ousmane Gawal sont en prison. Tous les cadres responsables de la communication de l'UFDG sont en prison. Quand même. Et vous ne voulez pas que le parti UFDG réclame la libération de ses responsables? On veut la paix, on veut la paix. Tout le monde veut la paix dans ce pays. Qui veut la guerre en Guinée? Maintenant, que celui qui veut la paix dans ce pays régner calmement, tranquillement, est le premier à arrêter les têtes d'un parti qui est directement appelé son rival. Quand même, il faut se dire la vérité. Est-ce qu'on va parler de paix là-bas? Est-ce qu'on va parler de tranquillité là-bas? On parle de paix, que tout le monde est libre, tout le monde est dans son coin. Le reste, celui ou celle qui va enfreindre les lois, cette personne va être poursuivie par la loi. C'est simple à comprendre, messieurs, madame, mesdames et messieurs. Maintenant, Selou ne veut pas la guerre dans ce pays. Nenafala Oubé. Onamerdera. Qui vous a dit ça? Que Selou veut la guerre en Guinée? Qui vous a dit ça? Que vous voulez la paix? Que vous en avez marre de la guerre? Vous avez vu quelle guerre en Guinée? Où est la guerre en Guinée? Nous sommes des sorotis. Donc, vous n'allez pas donner ce piètre image que toutes les autres communautés ont de cette communauté. Nous, les Soussous. Marabama, Feferanoïma. Alaramfara. Akouinaraba. Marabama. Oui, le Kouinara, la Syria, la Syrianara. Que je meure dans la souffrance, dans la galère. Dieu va nous donner ce que nous méritons. Mais, autant tu fais Wolouga Fouriara, que vous voulez la paix. Moussé Nafiriyaneki, Moussé Bissabodia. Parce que des gens qui font ça là, ils n'ont pas de bonnes idées. Hein. Je vous dis que vous n'êtes pas parti là-bas au nom des femmes de cinq communes. Vous êtes parti là-bas, c'est le quartier Matam qui est parti. Le quartier Matam qui est parti. Parce que les autres communes ne sont même pas au courant de ça. On connaît qui gère tout ça là. Quels sont ceux qui sont derrière tout ça là? Vous avez pris vos pagnes, monté dans les minibus, allez garer la cellule. Et voilà. En tant que bon mère de famille, comment allez-vous vous comporter? C'est d'aller directement dire à votre leader: laissez les prisonniers politiques. On veut la paix dans notre pays. Si vous voulez dire la vérité, laissez tout le monde en paix. On va vous réconcilier avec Ella Sélou. En tant que bon mère de famille, quand deux fils se bagarrent, quand deux fils se tiraillent, c'est d'abord au plus âgé qu'on part s'adresser. On s'adresse d'abord au plus âgé, quoi. Celui qui est le plus âgé. Parce qu'on se dit que oui, c'est lui le plus âgé. Nous qui sommes vos enfants aujourd'hui, on a plus d'expérience que vous. On s'y connaît à la matière plus que vous. On ne sait pas que si c'est la maladie d'Alzheimer qui vous attrape un à un ou une par une, là, on ne sait pas. Parce qu'il y a des bonnes stratégies pour que ça fonctionne bien. Au lieu que vous sortez comme ça, médiatisé, que ça va pour
Qui a dit que c'est loup veut la guerre en Guinée? Qui vous a dit ça? C'est loup veut la paix. Il veut la paix. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Si Zélu voulait la guerre, il faut se dire cette vérité. Combien de fois il a été triché pendant les élections? Hein? Combien de fois? Si Zélu voulait la guerre en Guinée, est-ce qu'on serait là aujourd'hui à parler? Est-ce qu'on serait là aujourd'hui à faire les trucs que tout le monde fait là? À jouir des trucs pendant que le pays est pillé. Est-ce qu'on serait là à piller si Zélu voulait la guerre? Zélu ne veut pas la guerre. Zélu ne veut pas la guerre. Donc, de grâce, vous les vendus, je ne veux pas vous traiter de vendus, vous les... C'est-à-dire, je ne trouve même pas de qualification. Parce que en tant que, en âme et conscience, quand on fait les calculs de tout ce qui se passe dans notre pays, la Guinée, là, hein, si on veut parler à quelqu'un d'abord, on parle au président. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui a tout à main. S'il veut que tout s'arrête tout de suite, tout s'arrête tout de suite. Quand même, on le sait. Mais on t'a donné 200 000. Tu ne peux pas oser dire la vérité à l'autre. Tu vas dire que quand tu vas lui dire la vérité, là, le tonton, là, tu ne vas pas avoir les 200 000. Tu as peur de ça, Tanti, Kadiet ou Silla? Tu as peur de ça, les 5 millions qu'on vous a donnés pour distribuer aux gens? Tu as peur que tu ne distribues pas parce que tu n'as pas tout distribué? Tu as peur que les 5 millions ne viennent pas dans tes mains, quoi? Quand même. C'est désolant, c'est humiliant, c'est honteux. Puis vous réclamez de notre communauté. C'est humiliant. Si on veut la réconciliation nationale, qui doit commencer la réconciliation nationale dans le pays si ce n'est pas le président? Qui? Après, les autres vont suivre. Après, quand on va voir que les autres ne vont pas suivre, on dit que maintenant, ouais, c'est elle qui ne veut pas suivre. Mais quand même, il faut se dire la vérité. Libérez nos leaders politiques. Libérez tous les prisonniers politiques. Quand même, c'est le minimum. Le minimum. Le minimum. C'est honteux. Amakinikina, Amayagi, Ountan. Nous les sous-sous qui sommes dans UFDG, beaucoup ne nous font pas confiance. On pense qu'on est tous pareils. On pense qu'on est des espions de l'État. Oui. Parce que des gens pareils comme ça, là, du jour au lendemain, tu ne te rends pas compte qu'est-ce qu'elles font. Tu ne te rends pas compte. C'est-à-dire, tu es assis tranquillement, tu viens le voir comme ça, là, tranquille. Ça, elle descend pour aller rentrer chez ses loups. Regardez-moi cette foutaise-là. Hein? Mais ni gimambare te ghetto. Sosue mannaman. Ni gimambare te ghetto. Sosue mannato fane. Hein? Vous ne verrez jamais les femmes malinquées là-bas. Vous ne verrez jamais les femmes peules là-bas. Ni les femmes forestières. Vous ne les verrez pas là-bas. Vous ne les verrez pas. Parce que les femmes sont sous autant en toro, c'est ce que nous avons dit. Au radé, Mato. Vous verrez que les femmes sont sous là-bas. Les femmes sont sous. Vous ne verrez pas les femmes malinquées là-bas. Jamais. Vous ne les verrez pas là-bas. De grâce, moi je vous dis, clair et net, en tant que militant, communicant de l'UFDG, que hélas, Zélu veut toujours. Il n'a jamais voulu vivre dans la guerre dans ce pays. Il n'a jamais voulu la guerre pour ce pays. Il ne réclame que ce qui lui est de droit. Quand même, le minimum, son droit. Son droit. Hein? Si vous voulez couper les queues de tout le monde, mais nous aussi, notre droit là, c'est cela. On réclame le droit.
libérer les gens. Si les gens n'étaient pas emprisonnés, bon voilà. Oh, regardez, là c'est loup. Non mais quand même. Oh, foutez maman, mon Alatagi. Si c'était quelqu'un d'autre là, quelqu'un d'autre, est-ce qu'aujourd'hui la Guinée, on serait dans ça? Mais quand même, faut pas trop abuser du monsieur. Faut pas trop abuser de lui quand même. Il est ce qu'il est et rien ni personne ne pourra le changer. C'est pas lui qui m'a envoyé pour vous parler, hein, pour vous dire ça. Ce que j'ai vu, ce que j'ai su de lui, c'est ce que je vous dis. Il est ce qu'il est. Rien ni personne ne peut changer de ça là. C'est un homme de paix, un homme calme, humble. Il est ce qu'il est. Personne ne peut changer ça. Tout ce qu'il veut, c'est faire sortir son pays de l'ornière. Un point, mille tirés. Il ne passera jamais par les armes pour avoir le pouvoir en Guinée. Ça, vous pouvez en être sûr. Jamais. Parce que la dame, avec son interview, elle ne parlait que de guerre, de guerre, de guerre, de guerre, au lieu de dire les violences. Vous avez vu quelle guerre ici en Guinée? Vous avez vu quelle guerre? Quelle guerre? Hein? Quelle guerre? Quelle guerre? Hein? À la ranon du Mali, bah, au nom du tour, au tifa fari, au n'y est fait, à parce que, à tout au rondina au con, à au monde en bas, mon bécho à laï, à la ranon du Mali, parce qu'à la sembe bobe, à la sembe bobirimbe, à la sembe bobirimbe, que Dieu est de la vérité, Dieu est plus fort que tout, hein, l'omniscient, le sage, il voit tout, il entend tout, quand même. Al-Ranon di Mali. N'arrange pas ma guérison. Al-Ranon di Finon di Kaima. N'arrange pas la paix Roma. Al-Ranon di Fila paix Kaima. N'arrange pas ma yila Guinée. Arasiga Yarema. Al-Ranon di Fiu. Woma. Al-Ranon di Makane Wombe. Toutes les personnes qui veulent que ce pays soit dans les crises comme ça là et qu'ils puissent profiter pour faire ceci, traiter des gens, traiter une communauté de sales, traiter d'autres communautés de bien, que Allah les montre aux yeux du monde et qu'il le paye devant tout le peuple de Guinée, qu'il le paye. Si toute personne qui est dans cette optique pour la Guinée, pour que le pays sombre pour son propre intérêt, que Dieu vous punisse, que Dieu punisse toutes ces personnes-là, avec toutes les richesses qu'ils ont, que Allah les punisse. Si tous les Guinéens, à commencer par moi, qu'on veut la paix dans notre pays, on veut la cohésion sociale, on veut le Sanakuyagal qui existait ici avant. Quand on appelait les Peuls Kompini, Koto, Kompini, quand on appelait nos parents Malinké, et mon oncle, tout ceci-là, si on ne veut pas, si réellement on sait ce qu'on veut, Dieu va nous aider. Tôt ou tard, il faut juste être patient. Ceux qui sont en train de faire le malin, Dieu, on ne peut pas faire le malin devant Dieu. Il te laisse grandir avec tout ce que tu es en train de faire. Donc de grâce, respectez le monsieur, ne vous foutez pas de lui. Il est là où il est, il n'a pas bougé. Laissez-le comme ça, de grâce. Hein? À la non di malima, parce que dunia à la febirintori, nyani gi à la kiti manana ma boyen, ce qui est là, boyen. Ndende fana mouma parti kui, isigarira espion yaraba, et nous mouma menge nyere kiso, gimire ira. Mais nous faisons des choses qui sont parties. Alors, quand il s'agit d'un lien, il s'agit d'un lien, il s'agit d'un lien, il s'agit d'un lien. Toute personne qui est dans notre parti, qui sont des espions pour des gens là, pour dire c'est tel moment, il faut faire ceci, il faut faire cela, que Allah vous humilie. Parce qu'on est là avec sincérité pour vous. On est là, on dit qu'on veut aider la Guinée. Que Allah humilie toutes ces personnes-là. Toutes ces personnes-là.